Eh bien bonjour les amis, bienvenue dans ce 16e épisode de Track B. Aujourd'hui une voiture un petit peu particulière puisqu'elle est depuis très longtemps en développement sur Assetto Corsa et elle met du temps vraiment à évoluer. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui bosse dessus, c'est la Koenigsegg One. Alors la Koenigsegg, je n'arriverai jamais à le dire correctement de toute manière, donc c'est une marque suédoise en fait. Et c'est une voiture extrêmement rare puisqu'elle n'existe qu'en 6 exemplaires tout simplement. Et voilà, donc c'est un moteur V8 assez particulier et c'est pour exprimer toute sa puissance que j'ai choisi eh bien, de quand même la tester sur un circuit où une ligne droite assez imposante était présente. Donc c'est pour ça qu'on est, parti sur le circuit du Castellet, le Paul Ricard, hein, plus connu sous ce nom-là, qui n'est quasiment utilisé maintenant que comme circuit d'essai pour quelques manches d'endurance et de GT. Mais à part ça, voilà, la grande ligne droite, vous allez voir quelques tours avec cette voiture. Donc l'intérieur est plutôt en tout début de développement, donc c'est pas là-dessus qu'il faudra s'attarder. Le son est plutôt pas mal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la finesse de texture des polygones. C'est pas un super mode, mais je l'ai sélectionné. Pourquoi? Eh bien parce que la physique de la voiture est assez particulière avec cet énorme appui. Bon, c'est quand même un 5 litres, ça fait 1360 chevaux. Ça se classe dans la catégorie Bugatti Veyron, CSS, enfin bon, les grosses voitures. Vitesse de pointe 453 km/h, c'est pour ça que je vous ai laissé le compteur, que vous voyez un petit peu comment ça pousse dans la ligne droite avant eh bien, la grande courbe du fond. Voilà, maintenant je vous laisse profiter de ces quelques tours du Paul Ricard. N'oubliez pas que la voiture ainsi que le tracé qui sont en cours de développement sont disponibles dans les liens sous la vidéo. Et n'oubliez pas la règle, montez le son.